Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vous présente une A250 Sport, donc en finition AMG, même l'aileron AMG. C'est une 250 qui est de 2017. Elle a aujourd'hui 74 000 km. On va faire le tour esthétique de la voiture. On va checker tous les tas carrosserie. On va checker les pneus, les jantes, les freins. Après, on va faire un petit tour esthétique de l'intérieur et on va finir par le tour des options. Donc niveau esthétique, on va checker le museau. Alors malgré les 74 000 km, elle est vraiment propre. Après, c'est du noir, ça pardonne pas, mais là ça va, il n'y a pas d'impact de gravier ou autre chose comme ça. Avec la magnifique calandre en diamant. Alors, si on peut voir une légère bosse dans le capot ici, ça va être sorti sans débosselage. Le profil côté passager, je vois pas de coup de porte. Le noir est vraiment propre. Le petit aileron, assez rare de voir l'aileron sur une 250. En général, c'est sur les A45. C'est le pack aéro de la 45. Donc le flanc là est nickel. Le pare-choc aussi, on peut voir là sur le petit diffuseur, le petit liseré rouge. Après, ce genre de choses, hein, c'est des traces. Hein. La voiture n'est pas nickel, elle n'est pas encore été lustrée. Les petites vitres surteintées. Côté conducteur, pareil, je vois pas de coup de porte. En plus, elle a le shadow partout. Il n'y a pas un chrome, elle est en full black. Très sympa. Ah, si, les poignées de porte, il y a un peu de chrome. Pareil, pas de coup de portière, pas de bosse. Elle est vraiment propre. Puis on va faire un petit tour maintenant des jantes et des pneus. Alors, on commence par la jante. Côté passager, donc ces belles jantes AMG, les beaux étriers rouges marqués Mercedes, donc les jantes qui sont en poli avec l'intérieur noir, le logo noir, hyper classe. Les disques, c'est neuf, les plaquettes, c'est neuf, donc là, rien à prévoir. La jante arrière, côté passager, elle est nickel aussi. Il n'y a pas une trace. L'arrière côté conducteur. Ok. Nickel. Ouais, juste une... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est juste une petite gommette. C'est rien du tout. Au niveau des freins. Les disques sont bons, ils sont pas neufs, mais ils sont pas à changer. Et au niveau des plaquettes, je ne sais pas si on les verra là, il faut que je trouve une place pour passer. On va essayer comme ça, on voit un petit peu mieux. Et les plaquettes, pareil comme les disques, c'est pas neuf, mais pas à remplacer non plus. Au niveau des pneumatiques, à l'arrière, c'est du 2,35-19. Et c'est des Goodyear, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. C'est des Goodyear, donc du bon pneumatique, je les ai mesurés tout à l'heure. À l'arrière, on a 5,5 mm. Un pneu neuf, c'est à peu près 9 mm. Donc on est quasiment sur une moitié de vie. Il y a encore de quoi faire. Côté conducteur, à l'avant, donc pareil, du Goodyear, on est sur le même format qu'à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Voilà, 2,35, 35,19. Et là, par contre, on est sur du 7, 7,5 mm. Donc pareil, un pneu neuf, c'est entre 8 et 10 en fonction du constructeur. Donc le pneu est quasi neuf. On remarque qu'à l'avant, c'est des percées, les disques. Très sympa, petit côté sport. Donc pareil, la jante est nickel. Rien à prévoir au niveau des pneus et des freins. On est bien.
Pour l'intérieur, on commence par le panneau côté passager. C'est nickel. On voit le petit Harman Kardon, les sièges électriques à mémoire. Donc là, on a le Alcantara qui est vraiment top. Le petit cuir sur piqûre rouge. Donc rappel avec les étriers de frein, les aérateurs, les ceintures et les liserés dans les baquets. Et avant de vous montrer les baquets, on va checker un peu le tableau de bord avec cette espèce de carbone souple. C'est assez marrant, c'est hyper bien fait. Donc l'habitacle est vraiment propre. Et donc les magnifiques sièges baquets électriques à mémoire et chauffants, ce qui est assez rare sur des baquets. Donc on voit les sièges. En plus là on peut encore régler, je pense, c'est le gonflage des dorsaux et des lombaires. Là le cuir est neuf de chez neuf. À croire qu'il n'y a jamais eu de passagers. L'Alcantara est impec. Ils sont vraiment nickel. Le panneau de porte arrière côté passager. Donc pareil, l'Alcantara, le cuir sur piqûre. On va faire le dos du baquet. Très propre. La banquette. Donc pas de traces de siège enfant. Et donc à l'arrière. Je sais pas si on le voit, avec le changement de couleur en plus, elle a le pack lumière. Chose qu'il n'y a pas à l'avant, vu que c'est les baquets, on peut pas la voir. Et donc il y a les lumières un peu partout dans la voiture. Et la banquette est vraiment impeccable. D'ailleurs, on va checker tout de suite le baquet côté conducteur. Ainsi que la banquette. Donc l'Alcantara est quasi neuf. Pareil, il ne devait pas y avoir grand monde à l'arrière. Ces petits sièges coques là qui sont hyper classe. Ça reste une 5 places. Et donc le panneau de porte. Donc là on voit pareil, hein, les petites lumières dans les poignées. Changement de couleur. Très sympa. Et donc l'Alcantara et le cuir. Ils sont juste nickel. On va se checker le coffre aussi. Et donc le coffre avec sa petite lumière à l'ouverture du coffre, très sympa. La poignée, là on voit bien que les plastiques sont nickel. C'est pas une voiture qui a servi pour faire du chargement. La petite plage. Et donc dans le coffre, banquette de tiers un tiers. On peut rabattre toute la partie gauche, juste la partie droite tous les deux pour faire un plancher plat. Le petit caisson Harman et Kardon, la trousse de soins, le kit anti-crevaison. Bref. Tout ce qu'il faut. Et on termine par le côté conducteur. Donc les sièges électriques à mémoire, l'Alcantara. Toute la porte est nickel. Le seul défaut que j'ai vu, c'est là, c'est vraiment une trace de coude, un léger enfoncement. Je pense que la personne posait son bras exactement ici à chaque fois. La dame d'ailleurs, parce que c'était la voiture d'une dame. On a vu ça sur la carte grise. Donc le volant, on va essayer d'en faire le tour. Parce qu'on dirait que ça soit une dame. Elle a fait attention avec les bagues. Le volant est propre. Le tableau de bord. Donc les rappels de rouge partout, hein, sur piqûre rouge sur le volant, les aérateurs, tout, c'est vraiment très très sympa. Et donc le plus important, le siège baquet. Alors la grosse trace, c'est ma paluche sur l'Alcantara. Voilà, il suffit de faire ça, l'Alcantara, ça efface tout de suite, c'est magnifique. Donc le baquet, qui est comme neuf, ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment une option rare, en plus sur les 250. Donc on voit bien, il est bien rigide. La petite surpiqûre, il y a plus de réglages que sur le siège passager. Et donc pareil, de toute façon, les mémoires ici. C'est vraiment nickel. Et on va checker tout ce qui est option. Alors, pour les équipements options, elle a le keyless. Mais là, je vais juste l'ouvrir avec la clé pour qu'on voit bien dans les feux. Ici, elle va s'allumer en bleu. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment sur les AMG. Hyper classe. Je vais refermer la voiture. Donc, rétroviseur abattable électrique, toit panneau, l'aileron, les vitres teintées, le keyless. Donc, il suffit de mettre la main dessus pour l'ouvrir ou de passer la main devant
pour fermer ou bien utiliser la télécommande. On va se mettre au volant. On va démarrer la bête. Keyless, il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage. Voilà. Bon, la lecture des panneaux. L'Harman et Kardon. Donc les baquets, ça j'ai déjà dit. Les sièges électriques à mémoire chauffant. Les quatre vitres électriques. Les rétroviseurs rabattables électriques chauffant et réglables électriques. Bien sûr, c'est une 250, elle a le fond à damier. Les inserts rouges. Le système de navigation. Elle a le CarPlay. Donc là, on a les sièges chauffants. Le Dynamic Select, donc qui permet de basculer sur différents modes. Donc là, par exemple, hop, en confort, en sport, ou l'individuel. L'individuel, on va pouvoir modifier, paramétrer comme on veut. Donc mettre le moteur en sport, la direction en classique, la clim en confort. Enfin voilà, on peut vraiment faire comme on veut. On va d'ailleurs la mettre en sport. On va mettre un petit coup de gaz après. Donc boîte auto, c'est une phase 2, elle a les radars avant et arrière, la caméra de recul donc qui vous indique dans quel angle vous allez, la petite ligne rouge c'est pour la limite de l'ouverture du coffre, et donc on voit ici il y a deux icônes, on peut sélectionner la deuxième caméra, et bim, caméra grand angle, donc si vous faites une marche arrière pour sortir une place de parking ou de votre garage, ça vous permet de voir en grand angle et de voir ce qui vient sur les côtés. Très très pratique. Comme elle a les radars de stationnement avant et arrière, je voulais pas les faire biper. Comme elle a les radars avant et arrière, elle dispose de l'APA. Donc l'APA chez Mercedes, c'est le système de stationnement automatique. Donc la voiture va lire les places de parking et elle va vous dire bah voilà, vous pouvez vous garer ici, vous valider, vous rentrez la marche arrière et elle s'occupe du reste. Donc on a Climauto Bizone, Bluetooth téléphone, Bluetooth musique, CarPlay. Le Linguatronic, donc il suffit d'appuyer pour lui donner les commandes. C'est pas le même système que sur les toutes dernières Mercedes, le AI Mercedes. C'est un tout petit peu différent, ça fonctionne pas trop mal. Et donc on a ces magnifiques ceintures rouges qui vont avec tout le reste. Et bien sûr, j'ai oublié le toit panneau. Donc la grande dalle vitrée ouvrante et qui en plus. Rare sur ce segment de gamme, le store électrique, très sympa. Alors je sais pas si je vais couper la clim, ouvrir la portière, je sais pas si on va l'entendre. Ça respire plutôt sympa. Et donc je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on a fait le tour de toutes les options. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à checker l'annonce sur Le Bon Coin et à liker pour pouvoir nous suivre et voir toutes les voitures qu'on rajoute.